Quelques nouvelles, Stromae sort du silence après l'annulation de sa tournée et fait une annonce aux fans. Après de longs mois de silence suite à l'annulation de sa tournée de concert, Stromae a enfin pris la parole pour s'adresser à ses fans inquiets. Le chanteur belge, malade, a publié un message sur Instagram pour annoncer une surprenante nouvelle à ses abonnés. C'est un long silence qui aura laissé les fans dans une profonde inquiétude. Le 9 mai 2023, Stromae s'adressait pour la toute dernière fois à ses fans pour leur annoncer une bien triste nouvelle, « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regrets et une profonde tristesse, mais je me dois d'écouter mes limites. » Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts, a-t-il annoncé avec regret. En tout, ce sont 46 dates de la tournée Multitude que le chanteur belge n'a pas pu assurer, soit une énorme perte pour les organisateurs, 23 millions de manque à gagner, les spectateurs lésés ayant été remboursés. Avec toujours l'espoir de voir leur star monter à nouveau sur scène pour finir cette tournée. Je suis conscient que cette situation ait pu décevoir certains. Un espoir qui cesse de lentement évaporer, au fil des longs mois de silence de Stromae. Le 7 septembre dernier, sorti de nulle part, le compte Instagram de son label Mozart avait passé un message pour demander aux fans d'envoyer leurs meilleurs souvenirs de l'artiste en vidéo. Un projet secret en préparation? Ils en ont eu la confirmation ce mardi. Car après 16 mois de silence, l'ex de Tatiana Silva a enfin pris la parole sur son propre compte Instagram, dans une publication intitulée « Quelques nouvelles ». Tout d'abord, merci du fond du cœur pour votre soutien. Votre gentillesse et votre empathie, suite à l'annulation de la fin de la tournée, m'ont énormément touché. Je suis conscient que cette situation ait pu décevoir certains et j'aurais aimé clôturer l'aventure Multitude sur une meilleure note, commence-t-il avant de lever le voile sur ce fameux nouveau projet. C'est pourquoi avec mon équipe, par un processus long et laborieux, nous avons rassemblé et monté l'ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou de simplement le revivre. Plus d'infos suivront bientôt. J'espère que le film vous plaira, conclut le chanteur de 39 ans. Pas de retour sur scène donc, mais un signe de vie dont se contenteront les fans. En attendant de meilleurs jours,